Et salut la famille. Comme vous remarquez, le décor, c'est comme s'il était en plein village. Mais nous ne sommes pas au village. Nous sommes comme ça à Yaoundé, l'arrondissement de Yaoundé 2. Je profite de cette occasion-ci pour remercier le maire. Sort de chocolat qu'ils ont versé en route. On remercie Dieu, c'est grâce à eux qu'on a le chocolat un peu de partout là. C'est pas le chocolat, c'est la boue. Merci. Bien, le nouveau modèle, c'est quoi? Ils amènent une bière, un petit sac de riz à partager aux vieilles mamans du quartier. C'est bon, il y a de la route. C'est mon ancien quartier, je suis né ici, grandi ici. Imaginez mon âge jusqu'à aujourd'hui. Chaque mère qui est passée à Yaoundé 2, ils ont cette route comme moyen de pression sur la population. Chaque personne qui vient pour battre campagne, il avait boudonné la route, même refrain chaque jour, et personne n'a jamais boudonné. Personne n'a même jamais essayé avant que ça n'a pas donné. Tellement nous sommes déjà fatigués qu'ils me demandent aussi. Les politiciens, bien sûr, ils sont habitués à connaître, sont des menteurs, on connaît déjà ça. Mais la population qui les écoute, chaque année, dès qu'ils viennent, les mamans là viennent s'asseoir, les papas là, ils applaudissent quand ils sont en train de parler. Vous n'êtes pas fatigués du mensonge. Qu'on parle, vous dites que non, il ne faut pas parler, tu peux perdre ta vie, on va avoir peur jusqu'à quand. Donc, on va, tu nais dans la boue, tu grandis dans la boue, tu meurs dans la boue. Qui ne veut pas un changement, veut pas. C'est le prochainement qu'ils essayent un peu de mentir, même en essayant de faire quelque chose. C'est pas chaque jour qu'ils veulent battre campagne, ils vont envoyer les engins à l'entrée du quartier. On vient garer les caterpillars jusqu'à vous ayez affiché qu'on va. Vous pourrez ou partez lui voter, il démarre ses caterpillars, il part avec. Ah, tu es né dans la boue, tu grandis dans la boue et tu meurs dans la boue. Quand tu veux parler, on te dit tu vas mourir, que ta vie est en danger. Apparemment, quelque chose comme ça qu'il a dit. Je n'ai pas bien retenu, mais c'est ce qu'il voulait dire. Voir les gens, voir les jeunes, que j'aurais souhaité qu'ils soient en Europe, pour qu'ils puissent jouir de la vie dont ils ont voulu avoir. Les gens qui pensent à la patrie, à leur pays, les gens qui pensent à la souffrance des autres. Si on n'a pas eu la chance d'avoir les bons dirigeants, j'aurais préféré que les jeunes comme ça soient en Europe pour au moins jouir de la vie que Dieu les a accordée. J'aurais vraiment souhaité que ces gars soient en Europe. Pour quitter dans cette boue-là. Regardez comment il arrive à s'exprimer. Vous sentez que c'est un jeune qui est instruit. Là, ce que j'ai retenu dans cette vidéo. On va accepter ça jusqu'à quand? Mais vous savez pourquoi les maires là ne sont pas interpellés, tous ces politiciens? Vous savez pourquoi ils ne sont pas interpellés? Parce qu'ils font le travail que le système veut. Parce qu'ils travaillent pour le système. Et le système n'est pas là pour les Camerounais. Le système est là pour la personne qui a créé ce système. Et ça s'arrête là. Tant qu'il peut toujours arriver à manipuler ses populations, à soutenir ses systèmes, il n'aura jamais de problème. Car ils sont là pour travailler pour ces systèmes et pas pour les Camerounais. On vous parle de la capitale d'un pays. La capitale d'un pays. Avec un système qui est là depuis 42 ans. Un système qui est soutenu par ces mêmes personnes. Car ce système est soutenu parce que ce système est soutenu et ce système n'apporte pas de développement. Pourquoi? Parce que ce système
et est fixé sur une seule personne. Sa personne n'est pas pour le pays. Voilà pourquoi on ne condamne pas tous ces politiciens, tous ces maires. Il suffit que tu arrives seulement là-bas avec quelques sardines, quelques sacs de riz et lui. Et tu passes toute la journée à chanter le nom de Pobia. C'est à cause de lui que vous êtes là, c'est lui qui a envoyé ça. Non, c'est vraiment le meilleur, c'est le champion, c'est ceci, cela. Et c'est fini. Personne ne pourra te interpeller. Car ce sont des gens qui n'aiment pas les Camerounais, qui détestent les Camerounais. Et tu travaillent que pour le système. Celui-là, désormais, on va l'appeler système. Ce n'est plus, celui-là, c'est un système, ce n'est pas un président. Il n'a jamais exercé ce pouvoir en tant qu'un vrai président qui veut travailler pour, qui a pris les responsabilités d'un pays. Il a toujours exercé son pouvoir en tant qu'un système. Le président de la République qui part, qui libère le blanchi. Qui libère le blanchi. Il a fait son temps, on le remercie, mais qui part, qui libère le blanchi. Il a acheté son hôtesse là, Intercontinental. Qui part rester là-bas? Qui part rester dans son hôtel? Vous l'aimez trop, le président bien. Mais pourquoi vous n'aidez pas sa fille? Voilà sa fille qui est en train de partir devant vous. Vous ne voyez pas qu'elle est en train de finir? Si vous l'aimez autant bien, aidez donc sa fille. Aidez sa fille. C'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'à lui-même, à lui seul. Même ses enfants, il ne pense pas à ses enfants. Donc si vous l'aimez autant, aidez sa fille. Arrêtez de jouer au guignol sur les réseaux sociaux. De médiocres, d'imposteurs, de menteurs. De Satan. N'avez pas honte. Allez là-bas, dis donc.